Salut à tous, c'est Cassin, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, petite annonce, on va s'ouvrir le coffret Voltali VMAX collection premium avec pins et magnifiques cartes alternate promo dès demain. Donc soyez au rendez-vous, on va s'ouvrir ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a 5 boosters à l'intérieur des séries précédentes. Voilà, un petit bémol sur ce coffret à cause des séries précédentes. Mais voilà, ça c'est dit, c'est fait, on peut l'enlever. Donc comme je vous avais pu voir dans les vidéos, dans la vidéo, j'ai été en boutique hein, tout simplement. Et j'ai trouvé quelques boosters stars étincelantes. Gros bémol, c'est le cerclage qui a dézingué complètement les tripacks. Franchement, c'était dommage. J'aurais bien pris quelques tripacks pour vous en proposer à l'ouverture, mais là, je me suis dit non, c'est pas possible. Tout était abîmé, même les boosters étaient abîmés, les cartes promo abîmées. Enfin, c'était vraiment incroyable. Ils auraient dû les mettre directement dans des petites boîtes en plastique. Au moins, voilà, ça protège et on est tranquille. Là, les cerclages, ça a été trop cerclé, tout simplement. Déjà, ils n'avaient pas l'habitude de cercler les items. Ça les abîme un petit peu, hein, pour ceux qui gardent parfaitement encellé. Mais là, même pour ceux qui ouvrent, les boosters étaient abîmés. Donc, c'était pas possible. J'ai pris quand même des packs, enfin des boosters individuels. Sachant que je collectionne voilà, du scellé, hein, c'est vraiment pour ma collection de scellé. Je ne pense pas faire d'ouverture de booster individuel. Surtout que j'ai commandé... enfin, je devrais recevoir, on va dire, des tripacks. Je crois que c'était 17€, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez cher quand même. Surtout que je pense qu'on peut les trouver pour moins de 15€. Alors, je ne sais plus combien c'était affiché dans la boutique où je suis allé. Peut-être que c'est en vidéo, il faudrait que je regarde. Mais vu qu'ils étaient tous abîmés, je préférais pas parce que c'est le coup. Déjà, la carte promo était vraiment abîmée. Et puis, c'était le coup d'avoir les cartes à l'intérieur des boosters abîmées. Franchement, c'était juste pas possible. Quand on paye ces articles-là, au moins 14-15€. Au moins ils sont en bon état, au moins ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, c'était pas possible. Alors j'ai pris quand même les boosters individuels à 5€, ça reste une super affaire. Que ça soit même pour l'ouverture, ça reste un bon prix pour l'ouverture. J'ai pris un Dracaufeu, il n'y en avait qu'un seul. Alors c'est pareil, hein, ils avaient mis ça dans des boîtes. Quand les boîtes sont grandes, ça va, hein, le blister n'est pas abîmé. Mais quand c'était les boîtes, elles étaient petites, ils ont plié le blister, donc voilà, c'était pas possible. Alors j'ai pris un Dracaufeu, qui est pour moi la plus belle illustration de ces 4 boosters. J'ai pris un de cette illustration-là, je ne me souviens plus son nom. J'ai pris un de Shaymin qui est très très sympa, je pense que j'en reprendrai d'autres si j'arrive à les trouver en boutique. Et j'en ai pris 3 autres de l'illustration Arceus qui est pour moi la deuxième plus belle. Mais enfin franchement on est quasiment à égalité, hein. C'est juste parce que je préfère Dracaufeu qu'Arceus. Mais Arceus c'est un magnifique Pokémon et je trouve qu'il est très très sympa. Donc voilà, ces boosters là sont pas pour vocation d'être ouverts. Sans compter que j'attends des commandes, enfin des précommandes que j'ai faites il y a très longtemps. Je crois que c'était 17€ le tripack. C'est quand même assez cher, mais je me suis dit voilà, ça m'a assuré quelques tripacks parce que je suis pas toujours disponible pour aller en boutique. Donc je devrais les recevoir pour ce week-end, j'espère en tous les cas. Je crois que c'est 4 tripacks que je devrais recevoir, donc on se fera les ouvertures des tripacks. Ces items là, moi je préfère les réserver pour ma collection de boosters en scellé. Voilà, j'espère que de votre côté ça commence à arriver. J'ai vu aussi coffret ou pas, donc voilà, ça il reste encore en stock. Les decks arrivent aussi avec, je crois que c'était Lugarok et Corvaillus, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc quelques items sympas qui arrivent en boutique, donc faut pas hésiter à y aller, à téléphoner pour trouver la nouvelle série. Allez, je vous dis à très très vite, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.